Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 57e épisode sur Arcvania, dans lequel, écoutez, aujourd'hui, nous nous retrouvons comme d'habitude à la base pour l'éclosion de deux petits œufs de viverne, level 175 de feu qui va normalement éclore, si évidemment c'est pas 8 secondes, bon, on a le temps en vrai. Donc du coup, dans cet épisode, première étape, faire éclore les œufs de viverne, et deuxième étape, nous allons aller faire la première cave de Ragnarok, oui, il est grand temps, et 175, et ses couleurs... Ouais, elles sont pas top. Hein. Je pensais avoir une viverne spéciale, bah pas du tout. Ouais, c'est pas top. En même temps, je crois que elle, je l'avais récupéré. Je crois que je l'avais récupéré sur Scorched. Hein. Je sais même plus quand c'est que je l'avais récupéré, mais je crois que je l'avais récupéré sur Scorched. Bon, du coup, tu vas venir par là, en suivi, s'il te plaît. Voilà, pas bouger. On va du coup lancer l'autre œuf à faire éclore. Normalement, hop, juste ici. Nickel, dans une seconde. Et tonnerre 165. Oh, elle est pas mal comme ça. Oh, c'est celle que je voulais en plus. Parce que du coup, tout à l'heure, lorsque je suis allé chercher l'œuf, il y avait deux viviennes de tonnerre. Et c'est pile poil la bonne. Ah bah écoute, c'est nickel. Hop, tu vas venir par ici, s'il te plaît. En espérant que tu te boules pas, ça pourrait être pas mal en soi. Voilà. Et au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne? Alors, la vie, elle est pas ouf. Et... Ouh, la vie sur le feu, elle est plutôt pas mal. Ah ouais. Par contre, je sais pas trop ce qu'il en est pour les autres stats. La stam 715, dégâts 229, le poids 632. Ah bah écoutez, je pense que je vais aller regarder un petit peu ça sur Dododex. Bon, alors du coup, on se retrouve avec les vivernes à présent adultes. Donc celle de feu qui est à présent level 179. Donc je dois augmenter deux levels et franchement, elle est plutôt pas mal. Bon, c'est une viverne de feu quoi, donc rien d'extraordinaire. Je crois qu'elle était boostée fin, oxygène et average en vie, mais presque height. Donc celle-là, elle est pas ouf. Très clairement, je tiens à le dire, elle est pas ouf du tout. Par contre, l'autre viande, je pense que je vais l'utiliser un petit peu plus parce que elle est un petit peu mieux. Donc elle est seulement au level 166, donc née 165 je crois, ouais. Je crois que j'ai augmenté qu'un seul level. Et elle est boostée dégâts, poids et peut-être stam. Je sais pas, aussi un petit peu fin. Non, pardon, elle est boostée poids, stam, fin. Et ouais, non, en fait je suis pas sûr du tout pour les dégâts. Bon, bref, aucune importance. Dans tous les cas, on a la petite viverne. Hein, voilà, petite viverne qui est franchement pas dégueulasse du tout au niveau des couleurs, hein, la petite viverne de tonnerre. Donc à présent, on va aller tout simplement faire une petite cave. Enfin plutôt une grosse cave avec tous les autres. Donc la première partie se fera avec Mitsu, Aka, Skell et moi. Et ensuite pour la deuxième partie, Bero nous rejoindra. Alors oui, Bero ne fait pas la première partie. Tout simplement parce qu'il déteste en fait. Genre littéralement, il déteste les jumps. Il a pas envie d'y passer 3 heures. Donc il viendra seulement durant la deuxième partie, sachant que faire les deux parties n'est pas... Bon, c'est pas important. Genre, si on loupe une partie, c'est pas très important. Donc, il nous rejoindra par la suite. Alors, où je vous parle, je vais pas vous le cacher, hein, la cave a déjà été tournée. Donc, juste pour vous faire une petite mise au point, en fait, c'est que j'ai perdu mon stuff juste avant la cave, parce qu'il y a eu un petit crash serveur, et du coup, Aka et moi avons perdu notre stuff, donc ce qui explique que je n'ai pas mon stuff habituel, sachant que je crois que j'avais un très mauvais fusil à pompe. Je sais plus, il était à combien, mais je crois pas que j'avais le bon fusil à pompe. J'avais pas mon stuff, c'était Skell qui m'a prêté. D'ailleurs, merci beaucoup Skell au passage. Sachant que du coup, j'avais le stuff noir et violet. Peut-être que vous le remarquerez, je sais pas trop. Sinon, également, depuis le dernier épisode, nous avons un petit peu avancé en live. Voilà, nous avons commencé un petit peu les enclos à breeding, donc juste ici. Au moins mettre les Dodicurus pour le moment, parce que j'en aurais besoin pour les Olympiarques. Également, du coup, les moutons, juste ici, au cas où si on en a besoin. De l'autre côté, du coup, bah forcément, hein, moi, je pense que vous l'avez vu au début de l'épisode, c'est du coup l'endroit où on fait éclore les vivernes, parce que malheureusement, je ne peux pas, enfin, toi, je voulais pas la faire éclore, les faire éclore à l'intérieur de ce bâtiment-là, sinon ça aurait été beaucoup trop galère. Comme ça, normalement, de ce côté-là, ça sera tout ce qui est chambre, tout ce qui est peut-être labo de chimie, etc., etc., tout ce que je ne peux pas mettre là-dedans. Et normalement, ici, ça sera tout ce qui est artefact, tout ce qui est, ouais, loot, quoi, décoration, etc., etc., donc ce qui sera en soi assez basique. Faudra aussi un jour que j'avance un petit peu sur la maison, parce que c'est vrai que, bah, j'ai toujours pas avancé sur la maison, en soi, donc peut-être que j'avance un petit peu, ça pourrait être cool. Ça serait plutôt cool. Bref, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon visionnage, et on se retrouve, normalement, à la fin de l'épisode. De Madame Skell. Mon éclairagiste et de monsieur... Attendez, on va le mettre sous le feu des projecteurs. Tadam, Starkey. Oui, bien sûr, c'était beaucoup trop fort dans mon casque. Ah. Voilà. Du coup, aujourd'hui, épisode première partie de Cave. Du coup, en compagnie de deux jeunes gens qui aiment les jumps. Qui aiment... Allez. Aïe. C'est passé. Suivant. Bah, comment tu... Faut pas galérer. Bah. Bah, elle est encore moins. Bon, il faut écrire Grena. Alors, il y a le G ici. Le A, il est là. Non, Grata.
Le R, il est là derrière. Alors, Starkey, il faut que tu t'occupes du R. Alors, ça va être compliqué. Ah. Je te le dis. Ouais. Il y a un premier jump ici. Faut que tu montes là. D'accord. Que tu passes ici. Ok. Puis tu sautes sur le S, puis le E, et puis le R est derrière. Enfin, tu te démerdes, tu y arrives. Ouais, ouais, ouais. Attends. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais. Tu te prépares. Ouais, bon, bah, tu te prépares là, hein. Ouais. Skell, tu t'occupes du G, du A et du T. Ça roule. Ah, et puis moi, il faut que je monte là-haut. J'en ai pour 10 minutes, hein, je reviens. Oh, mais j'y crois pas, j'y arrive du premier coup. Salut Starkey. Hé, hey, je te vois. Hey, bonjour. Et là, par contre... Oula. Ah. Le plafond, il était trop bas. Ça va jamais passer. Mais si, ça passe. C'est passé. Bah si, c'est passé. Oh, c'est passé. Alors, je veux un G. Un G. Je veux un R. Un R. Je veux... comment ça passe, Starkey? Je veux un A. Un A. Je veux un T. Rejoins Skell, vite. Un T. Préparez-vous à la... Attention. Et je veux un A. Ouais. Tan, 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 tan. Et on n'a pas pris de lit avec nous. On est des connards quand même. Ouais. Ah. T'en as pris, Skell? Non. Super. On n'a pas le droit de mourir. Non mais rendez compte, toi, mais quand même. Dans deux secondes, bon, on meurt. Hein. Si quelqu'un... Ok. Venez, 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 venez. On va se mettre dans le coin. Coin, coin, là. Tu me dis quand tu veux que j'appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Je reviens. Ah, parce que t'es mort. Oh, bah, Starkey, on attend là. Voilà. Ouais. Oh là 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 là. Alors attends, c'est où qu'on peut mettre la fondation? On peut plus mettre la fondation, ils ont corrigé. Oh, on peut plus mettre de lit. Et le sac de couchage? Ah bah du coup ton stuff est au milieu de la salle hein. Ouais ouais, ça je vais me démerder. J'ai besoin de 2 minutes de souffler parce que là je vais mourir. Ok, j'ai le stuff, je peux mettre mon armure anti-émeute. Là du coup tu l'as habillé à ton perso mort. Ça va, je savais. Vous avez vu le chemin que j'ai pris hein, vous avez bien tous regardé. Hein? Ouais t'inquiète, on a vu. Moi je suis passé. Je regarde si on peut mettre un lit derrière. Je vous annonce la bonne nouvelle dans 2 secondes. On peut pas mettre de lit derrière. C'est d'accord. La mauvaise nouvelle. A4, il va en premier. T'es en premier, donc autant profiter. Suivant. Ok. Alors, je suis pas sûr du tout. Donc, je passe mon tour. C'est moi qui vais devoir courir alors que j'ai le compi sur l'épaule. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est un peu ça. Donc là, je vais par là. J'ai pris un dégât parce que la porte, elle s'est fermée trop près de moi. Ensuite, je vais où? Vers mon cadavre. D'accord, tout droit là? Ouais. Ok. Si jamais tu brûles, tu cours à la porte. Hein. Ensuite, tu passes entre les deux, mais tu montes un poil sur... le... Non, 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 l'autre. Ouais, tout droit. Non, non. Bah, je vais où? Tu vois le tas qui est un peu bordélique là, sous la main de la statue. Ouais. Tu passes entre la plaque qui est relevée et ce tas. D'accord. Mais un tout petit peu plus côté ta bordélique, sous la main de la statue. Ok. Moins, entre les deux, vraiment, maintenant, entre les deux. Un peu plus vers le tas, quand même. Vas-y, essaye, là, ouais. Et vers moi, maintenant, vers moi. Bien joué. Nickel. Skell, est-ce que tu veux tenter de... en sneak? Non, j'aurais pas le temps avec la porte. Ah mais moi mon armure de machin elle a aussi pété l'antiémote. Tout qui a pété. Bah ouais tu m'étonnes, c'est pour ça je sais pas si je vais réussir à... Bon alors à la prochaine porte t'as quoi comme armure? Métal? Une ouais. Bonne armure de métal? Ouais. Ah ouais alors ça devrait être bon. Allez. Nickel, c'est bon le campi est vivant c'est le principal. Ok. Enfin, je dis pas que toi t'es pas principal là hein, mais je dis que le campi c'est bien. Bon. Oh, putain. On va devoir faire les jumps. Wouh. Ouais. Sans Lily, qu'on ne peut pas poser. Je vais juste prendre dans la main une petite lampe tactique histoire d'éclairer un peu le chemin. Salaud. Il y a des pièges ou pas sur le jump? Oups. Des fumigènes. Ok, jusque là ça va. Oh, putain. Attends, pardon. Oups. Oh, raté. Ah merde, j'ai pas d'armure. MDR.
Voilà, j'ai une armure. Par contre, bah tiens, je vais aller, aller chercher le loot. C'est chaud là, putain. Mitsu, tu vois un petit peu derrière, en haut? Ah mais en fait je cours. Ouais. Tu saurais me dire, là je vais sur le pilier ou alors sur la planche? Je crois sur la planche, mais je suis pas sûr. J'aurais dit la planche. Parce que c'est chaud quand même. Je vois depuis en haut. C'est chaud, mais ça devrait le faire. Putain. Voilà, on tente le pilier, hein, si tu... Je sens plus le pilier. Ouais, c'était le pilier. Oh, je suis un fils de pute. Oh, mais j'ai encore raté. Pas vrai, ça. Lumière. Ah, pardon. Ça y est, je suis à la fin. Allez, qui a gros les chauves-souris pendant que les autres tirent? Bon, allez, tout le monde. Allez, tout le monde dans la salle. Go! Chauves-souris! Oh, les salopes! Aïe, 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 pas tiré sur moi! Pardon, Stark. Voilà. Aïe. Ok, maintenant les boutons. Il faut appuyer, je crois, sur ce bouton-là d'abord. Voilà. Oui, parce que t'as pas appuyé sur le bouton. Ensuite celui-là. Et celui-là. Allez-y, go, 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 go. Ah du coup, le loot rouge, c'est un piège, hein, c'est ça? C'est un piège, ouais. Bah on peut quand même aller le prendre, hein. Mais... Ouais, moi aussi, des fois, là, à cet endroit-là, je mange un crabe, hein. Les enfoirés, ils ont cru m'avoir. Alors c'est ce bouton-là, si je dis pas... Ou peut-être celui-ci, ou peut-être les deux. Ah, il y a des grenades là-bas, attention. Boum. Ouais. Alors, on passe avant que ça se referme, parce que sinon on prend... C'est quand que je marche plus en crabe, moi? Mais oui, tu marches en... Bah, je dis, tu marches énorme, pas bien bête. Bon. Et moi, ça me le faisait, là aussi. Là, ça serait bien qu'on arrive à trouver les loots, parce que je sais qu'il y a quelques loots. C'est un effet ah, de... je vois une lumière rouge. J'ai trouvé la lumière rouge. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi? Celle de Raptor. Après, prenez. Mais moi, je suis trop lourd, après. Si t'as gassé. Allez, vas-y. Tadam. Ok, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout... Attends. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Attends deux secondes, on va être perdu. Non, moi me perdre, jamais. Par ici. Je reconnaîtrai ce labyrinthe entre mille. Les non, autres, ils sont là? Ok, ils sont là, les autres. Ok, tout droit. Ok, par ici. Très bien. Non, c'est pas celle-là, je crois. Je sais plus à quelle c'est, attends, faut que je regarde dedans. Restez là. C'était pas celle-là là? Ouais, c'était celle-là là. Non, Aka, c'est pas celle-là là. On vient d'où? Là? Ouais. De derrière moi. De là? Non, de là. Alors attends. Faut que je re-regarde les portes. Attends, je vais juste ouvrir celle-là pour voir. Restez là, hein, au pire. Ouais, c'était bien là. Bon, attendez, venez dans cette pièce-là. On réouvre. Enfin, ça va se fermer. Oh, c'est violent. C'est... Il faut pas être en dessous. Ouais. Non. Ça, tu meurs. Direct. Et là... Il faut y aller. À laquelle? Là où je suis. Oh, petit con. Petite merde. Attends, je vous ouvre la porte. Et on passe. Go. Ouf. Ça y est, on a terminé. Ouais. Et du coup, faut descendre tout en bas sans prendre de dégâts, c'est ça? Bah, peu importe, on peut descendre là, maintenant. Ok. Aïe, j'ai tombé sur ce qu'il y a. Et il y a le premier artefact. Ouais, on peut aller le prendre sans risque. Là, oui, on peut aller le prendre sans risque. Vous mourrez de faim. Tantan. Aïe, il ripop pas une deuxième fois. Non, une fois par cave. Oh. Je me rappelle plus s'il y a un truc méchant ici. Non, il y a rien. Ah, c'est la salle du sacrifice. Ah. To sacrifice little is to gain little.
Donc en gros, tu gagnes plus si tu sacrifies quelqu'un. Il nous manque. Non, il nous manque personne. Attends, tu fais peur. Bon, cher compi, tu étais... Tu vaillant. Étais élu. Là, comme un connard, je tire sur le compi. Ouais. Aïe. Pardon. Mais... J'ai envie de lui tirer dessus, mais il faut pas que je tire dessus. Mais j'ai très envie de lui tirer dessus. Tu le one shot sinon. Oh, mais... c'est quoi ça? Très beau lancer. Je sais pas pourquoi. Mais toi, de côté, prends l'en follow. Ouais, voilà. Oh. Ouais, ouais, ouais. Tout doux, hein, tout doux le point. Putain. Vas-y, je me... Vous allez le tuer à fond. Ouais. Non, ouais, arrête. Non, prends l'en follow. Mais il est en follow sur moi. Ah, il est en follow. Mais... Attends. Oui, oui. Et il est pas con. Oui. Il est con. Aïe. 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 C'est ça, c'est qui souffle, je crois. Non, c'est l'autre. Putain, ça m'a mis 1000 life, ouais. Ah, par contre, là, on est dans la merde. Ah, pourquoi? Ah, c'est vrai qu'il est fantôme. Parce qu'il fait nuit, c'est un grand couloir, et j'aime pas les grands couloirs de nuit. T'arrives. Chauve-souris. Derrière. Le salaud. Devant. À gauche. À droite. En haut. En bas. Attends, à gauche, là-bas, non? Ah non, elle est morte. Oh, y'a plus rien après. Oh, mais encore, c'est pas vrai. Bah encore, mais... Chaque merde. Putain, mais il a combien de chauves-souris, hein? Encore une. Deux. Quelqu'un à boire? Oui, ouais, j'ai toujours ma gourde. Mais si. Salle du boss. Quel, tu te coinces pas dans la porte, s'il te plaît? Je vais essayer. Ah, c'est beau. Ok, si jamais t'auras un bouton. Alors là, on peut profiter de la nature et dès le moment où vous bûchez un arbre, où vous tapez une biche, où vous récoltez quelque chose. Moi, je me mets en haut. Ouais, on se met d'abord en haut et on bute une biche. Ouais. Toi, je vais sur l'autre alors. Putain, je vais me mettre là, moi. Ouais. Hé, Bambi, pan. Et qu'est-ce qu'il y a? Des fantômes. Ah oui, là. Les ours, c'est des loups. Ok. Je l'ai one shot. C'est bizarre, j'ai l'impression. Attends, c'est une box, elles sont buggées. J'ai l'impression de toucher le sol. Ouais, t'as vu? Attends, si je bouge un petit peu. Oh. Ouais, c'est bizarre. Peu de chaud. Ouais. Ah, il y en a encore un. Mais il est mort. Arrête de lui... Mais arrête de lui tirer dessus. Là, à côté. Pardon. Voilà. Parce qu'elle est, elle est acharnée. Elle lâche pas l'affaire comme ça. Tu vas crever. Il est déjà mort. M'en fous. Ah. Allez, meurs. Voilà. Oh, 250. Ah, les esprits ont été calmés. Et on a les artefacts. Ouais. Oui. Ah, ils sont beaux. Celui-là, on n'a pas l'habitude parce qu'il est... Il est que sur... cette map is the center. Ah, en plus il y en a deux. Yes. Écoute. Cela il respawn deux fois. Bon, eh ben, nickel. Bah, une bonne chose de faite. Bon ben, on a terminé. On va aller chercher le bioc et puis on va faire la suite. Bon, et eh ben écoutez, du coup on se retrouve pour cette fin d'épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. La cave s'est globalement bien passée. Voilà, franchement. Donc on fera normalement la deuxième partie très très prochainement. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis bah du coup, c'est Sarki. À la prochaine. Et puis salut, tchuss.